Je voulais essayer quelque chose parce que j'ai quand même une date à marquer. J'ai lancé ce truc YouTube, c'est marqué la date d'inscription. C'était en 2006, il y a presque il y a 10 ans, je me rappelle très bien. C'était déjà pour essayer de lire des textes comme ça. J'avais mis l'appareil photo, je photographiais la page du livre en même temps que je lisais. Tout ça doit être en archive. Et donc, au privilège de l'ancienneté, comme disait Julien Gracq, j'arrive à la 500e vidéo que je mets en ligne. Deuxième élément, donc on fête la 500. Deuxième élément, il y a une vidéo qui est assez surprenante, on n'entend pas de nous matraquer, même en ce moment sur des projets télé, la durée du web c'est 10 minutes, les gens regardent 4 minutes, etc., etc. Et puis une des vidéos qui marche le mieux, comme ça sur cette chaîne, vous me faites l'honneur de venir me saluer, c'est celle que j'avais intitulée « Vie et œuvre de Pierre Bergougnoux », et où j'avais improvisé pendant plus d'une heure sur les livres et les lettres de Pierre. Et j'ai eu plusieurs messages disant « mais faites-nous la même chose sur Pierre Michon ». Et ben pour cette 500e, j'ai décidé qu'on allait faire sa fête au Pierrot, et je vais vous lire le truc. Alors il faut que je le retrouve, et je l'ai mis dans mon sac. C'est pas terrible la mise en scène, mais vous avez vu, je suis sur l'autoroute, j'ai longé en début de vidéo cet endroit où je fais toujours un petit crochet pour le voir, cette centrale nucléaire de Chinon. C'est tellement impressionnant, ces machins qui nous entourent. Et là je suis dans une station service qui compte un petit peu pour moi, parce que longtemps c'était un tronçon d'autoroute tout neuf, hein, où il y avait juste cette station, donc personne y venait. On avait même fait un projet avec Fabrice Cazeneuve d'y tourner un film comme ça. Et puis en 2010, toutes les semaines, tous les jeudis, on faisait cet atelier en nocturne à la BU d'Angers avec Olivier Tachot et Daniel Bourion. C'est un atelier qui était un des plus beaux, enfin ceux qui m'ont le plus, qui sont le plus restés comme ça, qui ont été un labo de travail pour moi dans toutes ces années d'ateliers d'écriture. Et à chaque fois que j'y allais, donc je m'y rendais en voiture, et je m'arrêtais dans ce truc et je faisais un inventaire comme ça de tout ce qu'il y a autour, par la photo, j'ai voulu m'y arrêter. D'où les quelques images. Mais c'est comme ça. Il y a les chauffeurs routiers qui dorment, puis on y voit mal dehors, puis donc c'est dans la bagnole. J'ai déjà assez parlé. Donc j'ai amené ce petit bouquin qui est une rareté concernant Pierre Michon. Son Faustocopie. Vous savez, Faustocopie, ce grand coureur cycliste. Il n'y a que Michon qui pouvait avoir l'idée comme ça de faire un livre sur Faustocopie. Ce livre est introuvable. Il y a longtemps qu'il est introuvable. Quelques-uns comme moi, Bergougnoux doit être dans le même cas aussi. Bon, on a la chance de l'avoir. Croyez qu'on s'en séparera pas. Et voilà mon propre texte sur le Faustocopie de Michon. Ça avait été tiré sous forme, tiré à part comme ça par les éditions Verdier, là encore peut-être pour leurs 20 ans ou un machin comme ça. Allez, maintenant il y en a pour 10 minutes, mais j'ai dit ce que j'avais à dire de perso sur le Faustocopie de Pierre Michon. On le sait, les difficultés il y a 2 ans d'un distributeur. Et malgré la qualité et l'exigence des choix, un de ces éditeurs qu'on dit petit qui plonge. Les 300 exemplaires imprimés du Faustocopie de Pierre Michon sont toujours dans un hangar de province, à peine quelques exemplaires mis en circulation. Ce que l'auteur a signé pour ses amis. Devant moi, celui qui porte le numéro 23 sur Verger, et cette consigne de silence jusqu'ici respectée, Michon ne souhaitant pas qu'on sache l'existence de ce texte avant qu'il puisse rejoindre sa vie autonome de livre, ayant refusé aussi toute publication partielle ou en revue. Livre pourtant annoncé et attendu. Pierre Michon a déjà expliqué voir son dossier des libraires L'Œil de la Lettre, avant la dissolution de leur association, Entretien Central. Combien l'écriture pour lui relevait d'un processus qu'il dit « miraculeux ». 2 mois d'éclaircie où enfin accéder, non pas au travail, mais à cette sorte de catalyse d'une langue à la fois magistrale et totalement libre, à la fois dans la plus dure contrainte d'équilibre, d'ampleur et de scansion, et à la fois dans ce jeté violent de couleurs et de rythmes qui depuis le début sont sa marque. Livre annoncé, puis repoussé, livre évoqué comme possible, voire le même entretien, au moment du choix d'un thème pour la collection l'un et l'autre de Gallimard. Et finalement, c'est son Rimbaud qui l'emporterait.
De quel répit est né son Faustocopie ? Que le livre ne soit pas à ce jour sorti en librairie a privé l'auteur de s'en expliquer. Voilà donc 64 pages, 4 cahiers d'imprimeur, le format environ de Vie de Joseph Roulin chez Verdier, qui lui avait permis le premier rebond après les vies minuscules. Une de ces éclaircies, une écriture comme d'un bloc, charriée, presque rapide, alors que chaque note de cette hâte et de cette rapidité porte avec elle la masse de silence et d'attente, voire d'impossible fréquenté, qui l'a précédé et qui sont la marque de Michon. On peut supposer, parce qu'elle y est évoquée, que ce livre s'est écrit dans la Creuse, où est né Pierre Michon et où il continue de résider partiellement. Il y a ces moments échappés de la route qui y mène. L'image d'un distributeur de billets dans la ville de La Châtre, citation 1. Non pas en traversant La Châtre du nord au sud, cela se fait par le centre et il n'y a que des pharmacies, des maisons retapées, avec colombage, l'authentique des bars, une librairie, un distributeur du Crédit Agricole, j'y prends parfois de l'argent. Fin de la citation. Il y a ces moments d'enfance, comment les mythes trouvent leur fondation à telle image, le visage en gros plan du coureur dans la montagne, la sueur de l'effort extrême sur une couverture de magazine sous un gros titre et ces 8 pages qui s'écrivent dans cette manière unique de Michon de fonctionner par ces plaques de récits qui viennent glisser les unes sur les autres sans jamais condescendre à expliquer leur lien ou la causalité qui les unit. Et dans le tour de force de cette superposition, cette patte unique, Michon comme de cette patte unique de Michon, comme on le dirait plutôt d'un peintre, par quoi nous-mêmes, lecteurs, on s'incline. Le récit est son arbitraire qu'on fait nôtre. Il suffit de la force vocale d'un nom pour renouveler l'énigme qu'il peut représenter, à qui porte en soi la difficulté de la langue française à s'ouvrir à cette tension fluide qu'on retrouve dans chaque titre, comme Rimbaud le fils ou La Grande Bonne. Les consonnes à peine une percussion dans la distorsion aristocrate des grammaires, sur le continuum que déroulent ces sons de bouche et comment ce nom pouvait être porté jusqu'au village de l'enfance et ce qu'il y trouait. D'où sort-on cet excès ? De quel prix en paye-t-on l'accès ? Michon avait choisi de s'expliquer d'abord avec Rimbaud, et ça reste un livre qui terrorise. Un auteur vient ici et nomme l'obscur, ce qui, en deçà de soi-même, fait qu'il y a accès et catalyse de l'écriture, que ce qui s'écrit bouleverse la donne globale de l'écrit à ce qu'il nomme, et que la donne de départ, pour celui qui s'y risque, ne se détache pas du lot le plus commun. Il y a les vers latins qu'on dresse pour sa mère et qui vous confèrent les beaux accessites. Il y a la figure en pied du poète Banville qui sera toujours un petit poète. Il y a la figure du Rimbaud endimanché qui va se faire photographier chez Carjat. Et quand on prend cela dans la figure, c'est de soi-même pourtant dont il est question, de ce qu'on fait avec les mots et du droit qu'on a de les enfiler sur la tringle éternelle dite littérature. D'une époque, la nôtre y compris, il n'y a pas grand-chose qui survive à ce trio tamis. J'ai souvent pensé à ce chapitre non fait, quand Michon disait ne pas avoir fini son futur Rimbaud le fils, ne pas pouvoir le remettre à l'éditeur, devoir garder ça sous le coude, quand déjà nous en connaissions au moins un ou deux des chapitres. Un texte sur le frère de Rimbaud, et que Michon ne comprenait pas lui-même pourquoi ça ne peut pas s'écrire, puisque c'est lui qui avait été convoqué comme frère par le seul fait de dresser ce livre qui le hissait vers cet obscur où sont les Rimbaud et le séparait encore plus complètement de nous, les tâcherons. C'est un livre qui fait mal. Quand on l'accepte, il reste peu de soi-même, et pourtant on tente de fonder sur ce peu, et le Rimbaud, soudain, égale les vies minuscules dans ce tremblement en vous provoqué. Le Faustocopie représente une poussée jusque par le titre. Pas de déterminant comme Rimbaud est le fils, pas d'annonce comme de Joseph Roulin, on dit « vie de Joseph Roulin », juste le nom, Faustocopie. Et ce n'est pas un nom d'artiste, ni de maître de la langue ou des arts. Et personne derrière, comme Vincent Van Gogh et derrière Roulin, il y a seulement à revenir enfin dans la plus haute zone de turbulence des vies minuscules que l'image de cet homme à peau et cuisses épilées, rongeant sa route, est représentation de l'extrême.
et que le spectateur de l'extrême, comme celui qui naissait à mesure des fictions de vie minuscule jusqu'à être présent, puis à la fois présent et détruit, enfin maître de l'ensemble de tous les trajets rassemblés, est dressé dans un tableau fait de ces blocs un à un arrachés par un geste géant, parce que la langue est géante. C'est un enfant placé au bord de la route pour la représentation physique de ce qui passe et qu'on ne retient pas. Ce qui a nom des reins, et qui est projeté en avant de vous, et serait bien plus fort que vous, être peineux sur sa mince machine de fer, à peine entreaperçue dans le chuintement, un instant seulement majeur, des coureurs qui filent, précédés de cette folklorique caravane du Tour de France, mais dans un temps encore loin avant que la télévision vous amène à domicile la preuve que tout ce qui est existe de façon simultanée, et que vous pouvez en avoir connaissance autrement qu'en vous déplaçant, en attendant, sous le soleil de juillet, après traverser la Châtre vers Bourges, le passage du Tour de France. Citation 2, je remets la lumière, machin truc. Pénible ça. Bon, faire avec. Citation 2. En traversant du sud au nord, direction Bourges, où un sens obligatoire vous dévie dans des faubourgs endoloris, à grosse maison de notaire avec glycine, volet peu ouvert, tilleul, personne, c'est... Citation 2, je reprends. En traversant du sud au nord, il m'énerve ce truc, pardon, excusez-moi, il faut bien que j'ai un peu de lumière, et ça, ça marche plus. Vieille bagnole, c'est pas vrai. J'aurais dû amener ma petite lampe de poche comme autrefois. En traversant du sud au nord... Direction Bourges, où un sens obligatoire vous dévie dans des faubourgs endoloris à grosses maisons de notaire avec glycine, ça c'est Michon, où un sens obligatoire vous dévie dans des faubourgs endoloris à grosses maisons de notaire avec glycine, volet peu ouvert, tilleul, personne, c'est province comme il n'y en a plus. Fin de la citation. Cette figure encore de ce qui que se coltine celui qui écrit... Quand écrire est ce miracle réservé à la confrontation suprême et qu'on ne veut pas s'embarrasser de la vie de tâcheron, du roman à pondre, un parent, silhouette repliée sur sa mince machine d'acier filant chuintante et qu'on a vu pour de vrai, traversant sa creuse, un peu de la peau nue et transpirante du visage de passion, le visage crispé dans la montagne sur la couverture des magazines, l'idée que la légende est d'aujourd'hui et peut traverser aussi la creuse et que donc, roue dans roue, soi-même, on peut se hisser à ce qu'on exige du destin, même si c'est avec petit comme les vers latins de Rimbaud ou juste ses muscles lisses et polis des cuisses comme ce Fausto Coppi à peine entrevu. Si dans la masse chuintante des machines, c'est seulement cet élan qui comptait, des gens au bord de la route par une matinée écrasante de juillet, 3 heures d'attente pour quelques secondes où tout ce qu'on sait, c'est qu'on a fait partie de la légende pour en avoir partagé le temps et le lieu et que finalement, il était bien logique que ce temps et ce partage ne soient pas ceux du temps et du partage ordinaire. Il n'y a pas à parler du Pierre Michon qu'on connaît, celui qu'on va chercher à la gare. Il n'y a pas à parler de son drôle de sourire, ou même de ce qui s'est passé ici la semaine dernière, lui devant 120 personnes, nous, lisant son Rimbaud, le début et puis la fin, et comment, au-dessus de lui, 120 personnes voyaient, littéralement voyaient, Vitali Rimbaud, né cuif, sur l'épaule de cette silhouette mince, courbée sur sa table et lisant. N'empêche que ce type-là, Pierre Michon, avec son drôle de sourire et sa manière de vous regarder comme de loin et prétendre vous intéresser à la minéralogie ou autre dérive provisoire comme si rien ne comptait plus du monde que ce qui, lui, le préoccupe. Et cela depuis qu'en 1985, on vous a mis, moi c'était à Marseille, un libraire ami, les vies minuscules dans les mains, et qu'on a passé une nuit blanche à les lire, puis relire. On sait qu'il a renversé, avec les mains, les pieds, les ongles et le bec, un obstacle qui était trop gros pour aucun de nous tous. Qu'il y va de la question même de la littérature, là où nous sommes nés et comment nous avons grandi, de notre creuse personnelle, aux grandes villes où nous venions avec un sac et 3 livres, et que lui, il y a réussi parce que dans la langue, ce qu'il sauve, c'est cette peau du monde où il y a des gares, des glycines et des sacs, et une violence tellement plus forte qu'elle est comme enchâssée et sertie dans le grand déroulement fixe et intemporel du plus vieux chant de la prose. Et si Fausto Coppi
n'aura pas un regard pour ceux qui s'assemblent au bord des routes de campagne pour partager sa légende, mais l'établir du même coup. Il n'y aurait pas de légende Faustocopie si les gamins de la Creuse ne s'étaient pas déplacés et ne se déplaçaient plus au bord de la route du Tour pour ne même pas arriver à reconnaître le visage crispé qu'on voit sur les magazines. C'est cela qui catalyse le monde nôtre, par quoi se reconduit la langue. Faustocopie, Michon, citation 3. Je me demande si on a encore le loisir et la passion de s'étriper pendant toute une vie pour un héritage, maintenant que tout va plus vite. La lenteur est restée là, cependant, la lente et terrible vie. Ils sont là, derrière les tilleuls, tout au fond des cours, ceux qui sont partis chercher du grain et sont revenus sans paille. On ne les voit pas, ils se cachent de père en fils dans des blouses de pharmaciens, ils colligent des dossiers, des actes timbrés, la poussière les tient. Ils sont là, derrière les grappes de glycine, les poètes qui ne sont pas devenus poètes, les lions qui sont devenus chiens, et dont les amoureuses qui ont vainement brûlé jusqu'à la vieillesse, et dont toutes les supériorités ont fait plaie dans l'âme au fur et à mesure que le froid de la province les saisissait, les gelait doucement, les broyait là, et leur laissait le temps, tout le temps d'y penser. Une écriture du destin, fin de la citation. Une écriture du destin comme personne d'autre n'aurait osé confier son paquet à ce seul anglais trois d'où lui échappe, comme ce mot échappé nous vaut encore jusqu'en son centre, cinq des pages majeures du Faustocopie en attente de ses lecteurs. Une œuvre étrange est née pendant qu'on la regardait naître, non pas un livre et ce qu'il y a après, mais une turbulence centrale et majeure. Et puis les figures qui sont la totalité lentement assemblées de tous les liens complexe de cette turbulence à ce qu'elle dérange, où viennent à égalité les peintres brûlés du dedans, oui, comme Watteau, le premier, et la buraliste dite à la grande bonne, et Vitali Cuif, né Rimbaud, dans sa cuisine, écoutant les vers latins de son jeune fils, et Faustocopie, là, dans ce livre, en sueur, dans le chuintement à un instant, recouvrant le monde des coureurs du Tour de France sur une route de juillet, et qu'il faudra bien qu'un éditeur se décide à reprendre les cartons d'exemplaires stocké je ne sais où dans un hangar de province pour que ce livre dont j'ai moi l'exemplaire sur verger signé 23 rejoigne numéroté 23 rejoigne les autres chez les libraires comme la saison en enfer est restée dans son placard de Belgique ou que l'imprimeur avait refusé de mettre en librairie les chants de Maldoror pourtant payés. Un livre de Pierre Michon, figure majeure de l'œuvre complète en instance, manque aujourd'hui si vous n'avez pas son Faustocopie à l'ensemble. Et tout cela renvoyant sans cesse à la première turbulence, le coup de force de ces vies minuscules, une à une, arrachées et condamnées comme ces figures de la cosmologie moderne à un mouvement d'effondrement produisant rayonnement de quasar autour d'elles, fixant les brefs assemblages de ces figures dont aucune ne nous aurait pu être livrée avec cette force et cette évidence sans cet effondrement fixé. Et c'est pour cela qu'on l'aime tant, qu'il nous est si nécessaire, même si lui se passerait bien de l'être. Voilà, texte écrit en hommage à Pierre Michon à propos de son Faustocopie pour ma 500e vidéo quelque part sur une autoroute de nuit. Merci. Look what's been done, John. It's coming like the gods.